Yo les amis, c'est Spagame1709. Du coup, la dernière fois, on s'était laissé ici avec. Comment elle s'appelle? Je pense qu'il fallait. Il faut trouver le code en fait de la porte de tout à l'heure. Que faut-il faire? Où faut-il aller? Vaisseau, ouais. Ouais. Bon, dis-moi si tu trouves une entrée perso, dis-moi, hein, parce que là, sérieux, je vois pas. Hein. Ah, attendez. La sortie. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas, un accident de train peut-être. Ouais, il a été bouffé au volant. Bah, du coup, on doit passer dans le train, c'est forcément obligé. Bah oui. Ils ont fonctionné longtemps après le début de l'épidémie. Voilà. Je dois bien venir par là. Alors, remonte. Alors, y'a rien. Ah, bah si. Y'a toujours des trucs. J'ai la lumière. Hey, je vais t'aider à monter. Bon, ouais. Du coup, on est arrivé ici. Attendez, je me pose vite fait. Parce que si je branche pas mon téléphone, j'aurai plus de batterie donc. Je pourrais pas voir le chat. Donc bon.
faut démarrer le compteur aussi. Et faut aller sur le Twitch, le chat. Du coup, voilà. De quoi? Ouais, mais Ellie, ça va monter là. Ok, on reste ensemble. On sera bientôt dehors. Bien. Passe devant. Zombie, je veux pas câlin. Non mais... Moi, je veux pas câlin. On court. À droite, ça me paraît bien. On court. Du coup, Dina, elle a pris cher. Et il s'est rien passé.
La brûlure à ton bras. Maria a l'air monde. Et Joël sont les seuls au courant. Était. Toi aussi maintenant. Je suis pas contagieuse si c'est ça qui t'inquiète. Mais je peux pas t'immuniser non plus. Je crois que je suis enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas de toi, je te rassure. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien. Il faut seulement que je me pose. Ah, c'est pas vrai, tu te fous. Depuis quand t'es au courant? Seulement quelques semaines. Seulement quelques semaines. On aurait pu faire demi-tour. Je ne savais rien. J'en étais pas sûre, ok? Je voulais pas devenir un boulet, d'accord? Alors là, bravo, t'as bien raté ton coup. Je vais aller m'assurer qu'il n'y a personne dans le coin. Repose-toi. On fouille en bas d'abord. Hein. Ça me paraît logique. Clé nécessaire. Ok. Ah, du coup, il nous reste pas trop de choix, il nous reste qu'en haut. Escalier encore. Ok. Ça date d'un moment. Quand même, vaut mieux faire gaffe. On a tout fouillé, hein.
Donc du coup, ça veut dire qu'il faut aller sur le toit. Allez, monte. Clé d'en bas. Nickel. Ouais, d'où du coup c'est les clés d'en bas. Donc du coup ici il faut redescendre. Choisis-moi.
Voir ça comme quelque chose. Ah, je suis nul. Il faut juste que la corde se fasse. Ouais. Allez, t'y viens. On y est ? Ouais. Putain. Allez, j'essaie de deviner. Quoi ? Tu veux gâcher la surprise ? Je sais pas. Est-ce que c'est un dinosaure ? Pas la peine de te fatiguer, je dirai rien. Ah, on verra. Est-ce que c'est un éléphant ? Est-ce que c'est un cabriolet ? Tu ne devineras jamais. Est-ce que c'est... Avance, au lieu de parler. Fais attention. T'inquiète. Mais t'es malade ou quoi? Si seulement tu pouvais voir ta tête. Je pourrais me noyer. Mais non, tu vas pas te noyer. T'es pas aussi empoté que tu le crois, tu sais. C'est ça, marre-toi, l'ancêtre. C'est par là. Je te déteste. Tu nages de mieux en mieux. N'oublie pas, le but c'est pas de s'agiter dans tous les sens, mais de... Pousser l'eau avec le bras entier, bla bla bla. Je suis content de voir que tu m'écoutes. Allez, viens là, regarde là-bas ça. Tu le vois, juste là, regarde. Ouais, je le vois. Ouais. On dirait... Ça rafraîchit. Ouais, c'est pas cool de se faire pousser, hein. En fait, il fallait qu'on fasse cette partie du chemin à la nage. Je me suis vengé, t'es super énervé. Ouais, t'as raison, je suis super énervé. Oh. On va devoir passer là-dessous. Inspire à fond. Ouais, pas de problème. Est-ce que c'est mon prof d'histoire de sixième qui s'excuse d'être un gros con ? Je te demande pardon. Moi et une copine, ils nous énervaient quand ils traitaient les lucioles de terroristes. On finissait tout le temps en colle. Tu sais, tu devrais arrêter de t'énerver pour un oui ou pour un non. Hein? Je te demande pas. Prends sur toi. Il faut encore plonger ici. Où est-ce que tu m'emmènes? Est-ce que t'en as pas assez comme ça? Sûrement pas. Viens là. Ok. Donc les amis, on fait une petite balade avec Joël 3 ans plus tôt. Collection de BD ? Non, attends, une collection de DVD ? Oui. Laquelle ? Juste, oui. C'est des laserdiscs ? J'en ai entendu parler. Fais quoi, Joël ? On bouge ou... Je l'ai dit. Joël ! Surprise ! Je le crois pas.
Putain, c'est un dinosaure. Muséum d'histoire naturelle du Wyoming. Comment t'as trouvé cet endroit ? Maria, c'est elle qui m'en a parlé. Je me suis dit que ça te plairait. T'avais raison. Pourquoi ? C'est un livre. Un livre sur les dinosaures. Ok. D'accord. Tu veux l'essayer ? Pas du tout. Comme tu veux. Oh, regarde-moi ces griffes. Ça, c'est un vélociraptor. En fait, c'est un Deinonychus. Non, je crois bien que c'est des vélociraptors. Bref. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il s'appelait dans le film que j'ai vu. Ah, bonjour. Désolé, mais les dinosaures ne sont pas disponibles. Qu'est-ce que tu fabriques ? Ah, attendez. Un des dinosaures est arrivé. Très drôle. Ouais, c'était très drôle. Parce que t'es vieux. Mais oui, j'avais compris. Ok. Consoniatus. Drôle de nom pour de ce petit truc. Ouais, il grouillait. Ça aussi, tu l'as vu dans un film ? Eh ben ouais, mais pas dans le même. En fait, ils ont fait une suite. C'était moins bien. Joel, regarde. Ça, c'est un dinosaure avec un chapeau. Ouh, le cerveau de celui-là, c'est la taille d'une noix. Ah, c'est vrai. Ben alors, ça vous fait un point commun ? Très drôle. Le Dimétrodon était un super prédateur. C'est quoi un super prédateur ? C'est un prédateur qui déchire. Plutôt court sur pattes. C'est pas la taille qui compte. Le nom Galliminus signifie qu'il imite la poule. Qui trouve ces noms ? Les scientifiques. Bah, ils sont nuls. Le brachiosaure mangeait 300 kilos de plantes par jour. Ouh, imagine les crottes ! Il y avait une scène où, en fait, un des personnages dit « C'est vraiment un gros tas de merde. » C'est quoi ce film et quand est-ce qu'on regarde ? Tu sais quoi ? Quand on rentre à Jackson, soirée film. Regarde l'épaisseur de son crâne à lui. Il ressemble un peu à Tommy. Je lui dirais que t'as dit ça. Non, pitié. Sous le bonheur. Ouais. C'est pas bien de tout cracher. On allait aller au magasin vendredi pour récupérer un PS4. Ok. Bah, je demanderai des sous. Ah, ok. Bah, nickel. Celui-là ressemble à un oiseau. Eh ben, en fait, les paléontologues pensaient que les oiseaux descendaient des dinosaures. Oh. Pardon, monsieur le professeur. Qu'est-ce que tu crois ? Je sais des choses. C'est un film.
continue. Comme ça, on aura 5 invités. Ce sera trop cool. En plus, je sais pas si tu vas le faire, mais si tu veux, tu sais découper autour de... Si, je vais le faire. Mais il faut pas le faire à chaque fois aussi. C'était déjà comme ça. Ok. Bah moi, quand je serai ici, je vais le faire. Et quand je serai chez moi, bah, j'ai mon décor. Donc oh mais ici, j'ai pas tu savais qu'il y avait ça? Ah, ça te plaît pas. On peut partir. T'es bête. Hé, hey Joël, tu connais le nom de toutes les planètes? Mon vieux tonton musicien joue sur un nouveau piano. Tu me fais une attaque ou quoi alors? Mon Mercure, vieux Vénus, tonton, Terre. Oh, ok, j'ai compris. C'est bien trouvé. On va regarder s'il y a encore des trucs, hein. On va aller voir là-bas. Trop cool. Ça pue pas trop là-dedans. Ça sent l'espace. Et la crasse. Ça va l'ouvrir. Après toi.
d'aller explorer le coin. Hein? Non, ils sont dans un truc de l'espace. Non, elle s'imaginait. Joël, on va là-bas, on n'a pas été voir. Ouais. C'est quoi ça? Merci Joël. Le musée continue par ici. Je suis jamais allé dans ce bâtiment. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Allez, viens, viens. Non. Eh, c'est mon anniversaire, je te rappelle. Arrête un peu ces conneries. Vas-y, et je veux que ça éclabousse. On a plein d'autres endroits à explorer. Génial. Il débarque Joël. Hé, fais-moi entrer. Je sais pas. Je t'ouvrirai la porte. On peut pas abandonner maintenant. Bah du coup on va avec Joël. Allez. Vas-y. Bon, mauvaise nouvelle. Il y a un truc qui bloque la porte. Essaye de trouver un autre accès. Je fais le tour du bâtiment. Ok, fais gaffe. Quoi, fais gaffe? Il y a des dinosaures dans le coin. Oh, garde le moral, mon vieux. Voilà un qui en manque de câlin. Il fait sombre ici. Le gamin, c'est qui s'est mis, mais j'ai pas pu l'arrêter. Oui, il y a une entrée d'eau, une entrée d'eau.
gros cochon, Sam. Ils sont plus là quoi. Ouais, elle est où, Dino? Bah, Dino, t'es où? Se trouve ici et que là-bas on a le 12.
dirais que c'est quelque part dans ce coin. Hillcrest. D'accord. Faut aller par l'autre. Ouais, c'est où que je viens d'aller ça. Non, c'est pas là. Thank you.
les amis, pour YouTube, ce sera la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager tout ça. Et moi, je vous dis à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était SpaGaming1709. Peace.